La danse, une ode au corps parfait traditionnellement. Eh bien, les lignes bougent pour sa nouvelle création. Le chorégraphe Mehdi Farajpour a fait appel à une compagnie au sein de laquelle cohabitent des danseurs valides et invalides. Le handicap n'est plus perçu comme un frein, mais utilisé comme un enrichissement du processus de création. La pièce s'intitule In Between Us. Charlotte Maxin a assisté à la première à Cologne. Regardez. Convoquer tous les corps sur scène, c'est le credo de la compagnie de danse DNA Dreizehn, créée en 1995 à Cologne par Gerda König. Je trouve enrichissant de voir différents types de corps sur scène. Je pense que la danse contemporaine a encore du chemin à parcourir. Je pense que nous devons remettre en question notre conception de la perfection et de l'esthétique. Gerda König a conçu avec le chorégraphe Mehdi Farajpour une nouvelle pièce dont trois des six danseurs sont en situation de handicap. Au début, j'avais un peu peur parce que c'était totalement inconnu. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça a même changé un peu mon regard sur le mouvement, sur la définition de la danse. La différence comme source de créativité, un atout pour soi et pour les autres, les danseurs Myriam et Damian le confirment. Par exemple, j'utilise son corps pour qu'il me soutienne quand je n'ai qu'une jambe. Pour moi, c'est fantastique. Cette différence nous renforce. C'est unique. C'est un mouvement authentique. Lorsqu'on commence un projet, peut-être la première semaine, tu te dis « Ok, comment je dois m'y prendre avec ça ? À quoi je dois prêter attention ?» Mais une semaine après, tu oublies et finalement, c'est juste une collègue. Si la danse permet de porter un nouveau regard sur le handicap, l'invalidité joue aussi un rôle dans la redéfinition et la compréhension de ce qu'est la danse.